Jésus. Shalom, shalom, bien-aimé. Shalom, balingami. Merci, merci David. Merci Isé. Tu es une bénédiction pour nous. Est-ce que l'Église peut m'aider à apprécier le frère David ainsi que son équipe? Ah, place ngana bino toyo kanagate yangoy. Est-ce qu'on peut honorer l'homme de Dieu? Est-ce qu'on peut apprécier la grâce et l'onction que Dieu a répandue dans sa vie? Alors que tu l'acclames, tu rends gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Merci. Que Dieu soit glorifié. Je suis dans la voie, dans la joie de retrouver encore mon frère, le pasteur Mwense. Pasteur, nous voulons t'accueillir. Est-ce que tu peux te lever, s'il te plaît? Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup. C'est toujours une joie. Vaincre l'esprit de Géasi. Et hier, en parlant des œuvres et du fonctionnement de l'esprit de Géasi, nous avions pris, nous avons dit plutôt deux choses qu'il était important de savoir sur l'esprit de Géasi. Premièrement, j'avais dit que l'esprit de Géasi poursuivait des objectifs clairs, des objectifs précis. Et j'en avais cité quatre. Premièrement, j'avais dit ce qu'il cherche, c'est séduire les élus par l'attrait du matériel. Deuxième objectif, c'est les égarer et les éloigner loin des desseins de Dieu. Troisième objectif, c'est les disqualifier et les rendre impropres au service. Et quatrième objectif que l'esprit de Géasi poursuit, c'est les générations futures, détruire la descendance, détruire les générations futures. Mais il y avait une deuxième chose qu'il était important de savoir sur l'esprit de Géasi. Et j'avais dit que l'esprit de Géasi est un esprit des ténèbres, mais qui aime opérer dans les milieux des églises, dans les milieux des enfants de Dieu. Et à ce niveau, il y avait deux détails importants. Premier détail, je dis que l'esprit de Géasi aime particulièrement opérer dans le sacerdoce. Au milieu de serviteurs de Dieu, des bergers, des pasteurs, des prophètes, des docteurs, des apôtres. Et ce pour deux raisons. Pourquoi il aime opérer dans cette sphère-là? Pour deux raisons. Pour l'ennemi, c'est une stratégie puissante. Premièrement, à partir du sacerdoce, l'ennemi cherche à diluer, à réduire l'efficacité et l'impact de l'évangile dans le cœur de ceux qui l'entendent, dans les oreilles de ceux qui l'entendent. Et pour y arriver, pour bien réduire l'impact de l'évangile de la Bible, de l'évangile du Christ, l'esprit de Géasi a injecté un autre évangile. L'évangile social, l'évangile matérialiste. Mais la deuxième raison pour laquelle il aime opérer dans la sphère des serviteurs, c'est pour mieux se répandre, c'est pour mieux se propager dans l'assemblée. Et hier, j'avais même parlé des leaders. Pourquoi est-ce qu'ils ciblent des leaders? Pourquoi est-ce qu'ils ciblent même certaines stars? Et vous allez voir que les hommes de Dieu, envoûtés par l'esprit de Géasi, mettent beaucoup de temps, beaucoup d'accent sur les choses matérielles, sur les biens matériels. Et implicitement, ils vont jusqu'à définir même le succès, la réussite de la vie chrétienne ici-bas
par rapport au bien, à l'abondance matérielle. Mais voyez-vous, cet évangile de Géasi, cet évangile social, a des conséquences dans la vie de l'Église. J'avais donné trois conséquences. Premièrement, j'avais dit ceci. Quand l'esprit de Géasi amène la marginalisation des pauvres. Ah, c'est-à-dire les pauvres se sentent, ceux qui ont peu de moyens se sentent exclus. Ils ont l'impression que Dieu les a oubliés. Ils sont des défavorisés. Parce qu'on leur a dit que si Dieu est avec toi, tu auras un bon travail, un bon salaire, un bon mariage, de bonnes entreprises. Et n'étant pas dans ce choses-là, ils se sentent exclus. Mais ça, c'est un mensonge du diable. Voyez-vous? Et deuxième conséquence de ce message, j'ai parlé de la malnutrition spirituelle. Des chrétiens qui finissent par devenir malades spirituellement. Pas de croissance spirituelle. Ils n'atteignent jamais la maturité spirituelle. Et ils demeurent dans un christianisme superficiel, sans impact. Et du reste, ça, c'était la troisième conséquence. Le christianisme de façade. Bien aimé dans le Seigneur. Ce soir, je voudrais aborder mon prochain point où je vais nous dresser une liste. Bien entendu, ma liste ne sera pas exhaustive. Une liste de 7 indicateurs, de 7 indices, de 7 signaux qui nous aident à voir quand l'esprit de Géasi prend le contrôle d'une assemblée. Comment savoir que l'esprit de Géasi s'est déjà mis à conduire les choses, à tenir les rênes d'une assemblée, d'une église? Quand il domine une communauté, il y a 7 indicateurs que l'esprit m'a soufflé. Bien entendu, j'ai dit, la liste n'est pas exhaustive. Premier indicateur, notez, là où l'esprit de Géasi a pris le contrôle, une église, une assemblée, une communauté, où l'église de Géasi, plutôt l'esprit de Géasi, domine l'un des indicateurs. Bien aimé, c'est l'absence de la crainte de Dieu dans le leadership. Oui. Parmi les bergers, parmi les pasteurs, parmi les responsables, parmi les diacres. Absence de la crainte de Dieu. Pas de vie de consécration. Il n'y a plus de place pour la crainte de Dieu. C'est le mélange parmi les serviteurs. C'est l'hypocrisie parmi les serviteurs. Et c'est comme ça qu'on assiste à un déferlement des scandales dans certains milieux. Des hommes de Dieu qui vivent dans des choses qui. Alors quelqu'un poserait la question de savoir si dans une église il devrait absolument pas y avoir des pasteurs ou des serviteurs qui tombent dans des péchés ou des scandales. Est-ce parce qu'il y a eu un scandale dans une église que cette église-là est forcément conduite par l'esprit de Géasi? Bien entendu, non. Il peut arriver qu'une église soit sérieuse, mais que l'un des responsables se méconduise, ça arrive. Mais alors, en ce moment-là, vous allez voir la différence dans le traitement. Oui. Comment on règle la question? Est-ce avec complaisance, dès l'instant
que dans les traitements, des cas de mesures disciplinaires, on voit de la complaisance, de la mollesse dans le traitement, pas de rigueur, pas de dureté. Frère, ça c'est un indicateur que l'esprit de Gehazi contrôle. Deuxième indicateur, bien aimé, c'est la légèreté parmi les ouvriers. Là, on quitte le leadership. On va parmi les ouvriers, les équipiers. Légèreté parmi les équipiers. Laissez aller, laissez faire. Les églises où les ouvriers s'engrossent les uns les autres, couchent ensemble les uns les autres. Oh, je bénirai jamais assez le Seigneur. Il y a quelques années en arrière, j'ai reçu dans mon bureau deux ouvriers d'un même département, ici à Philadelphie. Je ne citerai pas le nom de ce département. Les deux, un frère et une sœur, sont venus me voir. Pasteur, nous sommes venus vous voir parce que nous sommes tombés dans le péché. Nous sommes tombés dans la pudicité. Bien-aimés, je les ai pas blâmé, non, on les a pas surpris, on les a pas surpris. Disons que bakangi bango ne kobote, non, eux-mêmes après être tombés dans l'acte, ils n'étaient plus à l'aise dans leur cœur. Ils ont perdu leur paix. Et chacun n'est pas venu dans son coin accuser l'autre. Parce que c'est souvent ça la tendance. La sœur qui vient, pasteur, le frère m'a fait tomber. Et le frère qui vient, pasteur, la sœur m'a fait tomber. Non, si tu es tombé, tu es tout aussi responsable que l'autre. On ne tombe jamais seul dans la fornication. Il y a toujours deux individus. Ce n'est ni la faute de l'un ni la faute de l'autre. Vous êtes vous deux responsables au même titre. Les deux sont venus. Et je prie que le Seigneur suscite encore aujourd'hui des cœurs repentants dans sa maison. Mais quand l'esprit de Gehazi contrôle, c'est le laisser aller, laissez faire. Comme au temps des juges, la Bible déclare dans Juges 17:6, en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Bien aimé, ici, il y a un roi qui règne, Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le commandeur, c'est lui le commandant en chef, c'est lui le chef de la armée de l'Éternel, c'est lui qui nous conduit, c'est lui qui nous dirige. Nous ne faisons pas ce que nous voulons, ni comment nous voulons, ni quand nous voulons. Nous sommes sous les ordres du commandeur. C'est lui qui tient les rênes. Mais quand l'esprit de Gehazi prend le contrôle, c'est le laisser aller, laisser faire dans les départements. Troisième indicateur, quand l'esprit de Gehazi prend le contrôle d'une église, bien aimé, il y a la froideur spirituelle en ce moment-là qui se répand dans toute l'assemblée. L'église devient froide. On perd la chaleur de la présence de Dieu. L'église sombre dans la froideur. Et on perd le zèle. On perd la flamme. On perd la passion. On perd la diligence. On perd l'empressement dans les choses de Dieu. Et vous allez remarquer quand même les membres deviennent lourds. Et vous allez remarquer qu'il n'y a plus presque jamais de programme de prière.
Une église où il n'y a pas de programme de prière. Bien-aimé, Géasi a pris le contrôle parce que l'esprit de Géasi ne supporte pas l'atmosphère de prière. Parce que la prière nous rapproche de Dieu. La prière nous tourne vers Dieu. La prière nous connecte à Dieu. Et c'est par la prière que Dieu imprime dans nos cœurs ses pensées. C'est dans sa présence que Dieu nous donne ses désirs. C'est dans sa présence que Dieu nous révèle sa volonté. Et c'est dans sa présence que Dieu nous donne la force dont nous avons besoin pour faire ce qu'il attend de nous. Or, l'esprit de Géasi sait que lui, c'est les jouissances de la terre. Lui, c'est le matérialisme. Lui, c'est la joie de vivre. Il ne peut ne permettra pas, mon ami, de grandir dans ta vie de prière. Et quand c'est dans l'église, c'est généralisé. Pas de programme de prière. Pas de jeûne et prière. Ça n'existera pas. Et même vous allez remarquer que l'équipe d'intercession sera quasi inexistante. Le département d'intercession sera peut-être sur les papiers. Mais de manière effective, ça n'existera pas. On ne prie pas pourquoi? Parce que Géasi, l'esprit de Géasi est au contraire. Oh, j'ai prié que Dieu nous garde dans la flamme de la prière. Quatrième indicateur qui nous montre que l'esprit de Géasi a pris le contrôle d'une assemblée. Ce que vous allez remarquer, il n'y aura pas du tout de message sur le retour du Seigneur. Le retour du Christ ne sera pas annoncé. On aime parler des choses qui nous gardent ici. Voyez-vous, frère, l'esprit de Géasi attache tellement le cœur de l'homme aux choses de la terre, aux jouissances de la terre, aux plaisir de ce monde, à la vie terrestre, qu'il n'a pas, que l'homme n'a plus le temps de penser à quitter ce monde. Comme je l'ai dit le premier jour, vous allez entendre des gens dire, parce que moi je ne me suis pas encore fait beaucoup d'argent. Frère, si c'est le langage que tu as, c'est un indicateur que dans ta vie l'esprit de Géasi a déjà pris le contrôle. Parce que bien aimé, ce que je suis en train de donner comme indicateur sur une assemblée est tout aussi valable dans la vie d'un individu, dans ta propre vie. Si tu n'as plus de place, bien aimé, pour l'aspiration au retour de Christ, sache que l'esprit de Géasi commence à prendre trop de place. Il faut que tu réagisses. Nous, j'entends souvent des gens dire, parce que mon frère, parce que je ne suis pas prêt de mourir, je ne suis pas prêt à aller voir le Seigneur. Toi, quelle sorte de fidèle tu ne peux pas aller voir le Seigneur? Toi, tu veux que le monde, parce que tu es apprécié à mon âme, je ne suis pas prêt d'aller voir Dieu. Maman, si tu es apprécié à mon âme, tu es pressé de voir qui? Mais quand je lis les Écritures, les hommes de la trempe de l'apôtre Paul, qui pouvaient dire, je suis dans Philippiens 1, 21, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Il dit, la mort m'est un gain. Si je meurs aujourd'hui, je gagne. Pourquoi? Parce que Christ est ma vie. Je vous ai souvent parlé de ce texte. Paul est sur le point de monter à Jérusalem. Agabus se met à prophétiser sur sa ceinture. Et celui à qui appartient cette ceinture sera attaché, sera lié, sera persécuté. Et les amis de Paul
se sont mis à vouloir le persuader de ne pas monter à Jérusalem. Mais écoutez la réponse de Paul. Paul dit, mais qu'avez-vous comme ça à me briser les cœurs? Je suis prêt non seulement à être persécuté pour Christ, mais à mourir pour lui. Les disciples étaient prêts. S'il fallait qu'il meure, c'était pour un sujet de joie. Et il ne reculait pas devant la mort. La Bible déclare dans les livres aux Hébreux, ils n'ont point aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Non, ils aimaient leur vie, mais pas jusqu'à craindre la mort. Non. C'était des kamikazes spirituels. S'il fallait qu'ils meurent, ils étaient prêts à mourir, ils ne reculaient pas. Ils avançaient. Pourquoi? Parce que Dieu était tout pour eux. Dieu était le sens de leur vie. Dieu était tout. Et ils étaient prêts à tout pour Dieu. Toujours dans l'épître de Paul aux Philippiens. Toujours le chapitre 1er, le verset 23e. L'apôtre Paul qui dit, il dit, je suis pressé de deux côtés. C'est-à-dire, je suis tiraillé de deux côtés. Il dit, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. Ce qui de beaucoup est le meilleur. Il dit, pour moi, ce n'est pas rester ici. Il dit, si je reste ou si je dois rester, que Dieu me garde pour vous, afin de vous enseigner encore, afin d'être pour vous une bénédiction, afin de vous rapprocher encore du Seigneur. Il dit, mais si ça ne dépendait que de moi, allez auprès de mon maître, auprès de mon Seigneur, c'est pour moi de loin meilleur. Vous voyez, bien aimé, il vivait dans l'espérance de voir le Seigneur. Il vivait dans l'espérance de son retour. Il vivait dans l'espérance du son de la trompette. Mais l'église de ma génération, nous avons oublié l'espérance de son retour. Nous n'y pensons pas, nous n'en parlons pas. Et c'est étonnant, frère. Il y a des églises où on n'enseigne pas les retours du Seigneur. Hey, mes amis, en ce temps de la fin où nous sommes en train de vivre les dernières minutes de la prolongation du temps additionnel, bientôt la tempête va sonner, bientôt nous allons les voir apparaître sur les nuées et nous attirer vers lui. La Bible déclare, les morts en Christ ressusciteront premièrement, ensuite nous les vivants qui serons restés en un clin d'œil, en un instant, nous serons changés. Ce corps corruptible va revêtir l'incorruptibilité. Ce corps mortel va revêtir l'immortalité. Nous serons semblables à lui. Nous aurons des corps glorieux. Nous aurons des corps semblables au corps de Jésus le jour de la transfiguration. Nous aurons des corps semblables au corps de Christ. Après la résurrection, des corps à la fois spirituels mais à la fois physiques, à la fois spirituels mais à la fois matériels, des corps sans limite. Onamoshata, onamoshata, onamekate prakita naibro nanasipa. Ce n'est pas normal qu'on ne prêche pas le retour de Jésus en ce temps-ci. Ce n'est pas normal. Dites-moi, vous prêchez quoi? Vous prêchez quel évangile? Alors que la maison est en feu, les gens sont en train de mourir. C'est le temps de crier pour sauver des vies. Mais non, vous dites aux gens, restez dans les flammes. Jouissez du bonheur de la maison. Jouissez de joie de la maison. Dieu va vous bénir. Bien aimé, il n'y a pas de plus grande bénédiction que de nous retrouver en face du Onamanashata. Vous serez étonnés de rencontrer des chrétiens membres très effectifs des églises locales, mais qui ne connaissent rien sur le retour de Jésus.
sur le ciel. Ils ne connaissent rien sur l'enlèvement. Ils ne connaissent rien sur le son de la trompette. Ils ne connaissent rien sur le millénium. Ils ne connaissent rien sur la parousie. Ils ne connaissent rien sur les événements du temps de la fin. Ce n'est pas de leur faute. Les bergers sont préoccupés à prêcher des choses secondaires et ils ont jeté des choses prioritaires. Jésus dit: arrêtez de vous préoccuper de quoi vous serez vêtu, de quoi vous allez vous nourrir. Laissez ces choses là. Jésus dit: ce sont des païens qui s'en occupent. Des païens. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Mais l'église de ma génération, au lieu de prêcher le cœur de Dieu, nous prêchons les choses de la terre. Au lieu de former des disciples, nous formons des païens dans l'église, parce que nous leur prêchons à longueur de journée des choses que les païens recherchent. Ça, c'est Jésus qui le dit. Jésus qui le dit. Séminaire. Malakisi. Trois choses que les païens recherchent. Oui. À chaque fois que nous prêchons cet évangile social, cet évangile de Géasi, nous prêchons le pain. Or Jésus a dit: l'homme ne vivra pas de pain seulement. Il y a autre chose de plus important. Le pain, oui. Le pain, oui, mais pas de pain seulement. Il y a autre chose de plus important. Si j'ai en train de parler à quelqu'un, bien-aimé, nous sommes dans le temps de la fin. Bientôt la trompette va sonner. Si tu fréquentes une église où le pasteur passe tout son temps à ne prêcher et enseigner que le succès terrestre, mon ami, alors où il ne passe pas que son temps à motiver les gens. Frère, mets-toi à chercher Dieu toi-même. Oui, Géasi a déjà pris le contrôle. Au lieu de tourner le cœur du peuple vers leur père, ils tournent le cœur du peuple vers les choses de la terre. Si tu es dans une telle église, mon ami, cinquième indicateur d'une église où l'esprit de Géasi a pris le contrôle. Rappelez-vous bien aimé, tous ces indicateurs sont aussi valables pour la vie des uns et des autres. Prends chaque indicateur, repasse-les dans ta vie et tu sauras jusqu'à quel niveau l'esprit de Géasi dirige ta vie. Cinquième indicateur. Bien-aimé, on identifie une église ou une assemblée ou une communauté ou une vie où l'esprit de Géasi a pris le contrôle par le fait que les messages de la sanctification seront absents. Pas de message de la sanctification. Pourquoi? Comment voulez-vous prêcher un message que vous ne vivez pas vous-même? C'est impossible. C'est impossible. Tu peux faire un effort d'en parler, mais ça ne sera pas naturel, parce que ça ne viendra pas de ton cœur. Et du reste, des vies ne seront pas impactées. Des vies ne seront pas touchées. Michel, je ne peux te toucher par un message que dans la mesure où le message me touche moi-même. Oui, une prédication ne deviendra vraie dans ta vie que dans la mesure où elle est vraie dans ma vie.
À un moment donné, le message et le messager doivent se confondre. L'ami de Brabissata, bien aimé, le temps est arrivé où les gens que nous voyons du haut de la chair doivent être les mêmes que des gens que nous fréquentons dans la rue, que des gens avec qui nous sommes dans les universités, que ceux avec qui nous travaillons ensemble. Oui, la même personne que je vois du haut de la chair prêcher, vibrer dans les choses de l'esprit. Si je veux le retrouver, oui, je veux retrouver ce prédicateur là autant il prêche la crainte de Dieu, je veux le voir, pas prêcher, mais je veux le voir vivre. Oh, homme de Dieu, arrête de me parler de Dieu. Vis Dieu, vis Dieu, vis Dieu, vis Dieu, car ce que nous vivons parle bien plus fort que ce que nous disons. Oui, ma vie est bien plus éloquente que les paroles de ma bouche. Dans une église où on ne vit pas la sainteté, comment voulez-vous que l'on prêche la sainteté? J'ai entendu quelqu'un dire la sainteté, la sainteté. Mais ça, c'est le niveau le plus banal de la vie chrétienne. Ok. Donc vous là, même le niveau le plus banal là, vous êtes absent. Vous êtes où? Sixième indicateur. Dans une église, dans une communauté, dans une assemblée où l'esprit de Géasi domine, règne, a pris le contrôle, vous allez le voir par ce sixième indicateur, pas de message sur la croix. Pas de message sur la croix. Bien aimé, retenez ceci. L'esprit de Géasi ne supporte pas le message de la croix. Vous savez pourquoi? Parce que le message de la croix évoque une chose: le sacrifice. Quand on parle de la croix, on parle du sacrifice. Or, on ne peut parler du sacrifice sans parler de deux mouvements du sacrifice. Premièrement, sacrifier. Et deuxièmement, se sacrifier. Autrement dit, on ne peut parler de la croix sans parler du sacrifice. Et on ne peut parler du sacrifice sans parler de ces deux choses. Premièrement, le brisement. Et deuxièmement, le renoncement. Vous voyez, la croix nous impose le brisement. Être brisé quant à la chair, être brisé quant à ses passions personnelles, être brisé quant à ses désirs, à ses volontés personnelles, être brisé quant à sa volonté personnelle pour se soumettre à la volonté de Dieu. Et l'apôtre Paul dit: je fais une chose, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. L'apôtre Paul dit: je ne plaisante pas avec ma chair, je la traite durement, je ne suis pas complaisant avec ma chair. Or, là où il y a l'esprit de Géasi, il est tellement attaché à la chair, il aime tellement faire plaisir à la chair qu'il ne peut pas aimer le message de la croix. Non. L'esprit de Géasi attache l'homme à lui-même. Trop d'amour propre. L'esprit de Géasi fait que tu puisses t'aimer un peu trop. Que Dieu nous aide. Même quand Dieu te dit de jeûner, tu discutes. Parce que tu t'aimes encore trop. L'esprit de Géasi attache l'homme aux possessions matérielles. Voilà pourquoi il ne peut aimer. Et il ne peut permettre, dans une assemblée où lui il domine, le genre de message qui appelle au sacrifice.
fils. Non. Mais bien aimé, Jésus a dit, je suis dans Luc 9, 23. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suis chaque jour. Pas un seul jour sans la croix. Pas un seul jour sans la croix. Si j'en suis en train de parler à quelqu'un, écoutez, la croix ne sera jamais une affaire réglée. Non. Tu n'arriveras jamais un jour. Ah, Moi j'ai fini le parcours de ma croix. Tu es bon, sois béni. Non, frère. La Bible déclare chaque jour de sa vie. C'est pas chaque jour pendant un temps. Non, chaque jour, durant toute la durée de sa vie ici-bas, nous devons garder la croix de Jésus sur nous constamment, à chaque instant, chaque jour, à chaque minute, peu importe où nous sommes, peu importe ce que nous faisons, que je sois au travail, je porte ma croix, que je sois en famille, je porte ma croix, que je sois à l'église, je porte ma croix. Il y en a partout où je suis, dans toutes circonstances, je porte ma croix. Cela veut dire que la chair est constamment crucifiée. La chair doit savoir who is the boss. Nani ne mokonzi. Nanzoto mokonzi zanga. Cette chair, c'est moi le maître. Ce n'est pas la chair. Et ça, mon sunité. Et le temps est arrivé. Où nous devons remettre la chair à sa place. Le pasteur Jacques André Vernot disait, il n'y a qu'une seule place pour la chair. C'est à la croix. C'est à la croix. C'est à Golgotha. C'est à la croix. Pasteur Kino, c'est que je n'arrive pas. C'est dans l'état des envies. Des envies. Oui. Crucifie ta chair. Pasteur, j'ai arrêté la cigarette. J'ai arrêté la bière. Mais ça me consume. Je brûle l'envie. Papa, yebi sa moté manayo. Dis à ton cœur. Soko lingo mela. Si tu veux boire, bima. La bière, sors. Lingo mela. Va boire. Langwa. Tango possible ça. Zonga. Mengai. Nako déplacer awa. Ici. Le temps est arrivé où la chair doit savoir who is the boss, who is taking decision. Ça ne sera jamais facile. Ou sinon, ça ne sera plus la croix. Car la croix, on pleure. Si tu ne pleures pas, c'est que c'est quelque chose d'autre. Ce n'est pas la croix. À la croix, on pleure. À la croix, les larmes coulent. La croix fait mal. Et ça, la capace. Et ça, l'esprit de Géasi ne tolérera pas ça. Quand l'esprit de Géasi prend contrôle, le corps, la chair redevient le boss. C'est ce que le corps veut. C'est ce qu'on fait. Le corps, après le travail, veut aller dans un coin, prendre un pot avec les amis. Quand je dis un pot, ce n'est pas le pot des nonnes, c'est le pot. Parce que le pot des boissons sucrées, là, ça, ce n'est pas le pot. Quand je dis prendre un pot avec les amis, tu sais ce dont je suis en train. C'est là que la chair va t'arriver. Tu es marié. La chair tournera constamment tes regards vers les petites. Est-ce que mon petit tourne les regards? Ça, c'est la chair. Tala. Tu vois ces histoires. Vaccin Nango et Zalarate. Il n'y a pas de vaccin pour ça. Ah oui. Ato Bongoli Motema. Même si tu t'es converti. La chair. Mosuni. Va parler. Ekoloba. Ce qui a l'équi. Si elle passe. Est-ce que Omoni a l'équi? Omoni a l'équi. Baluko. Tourne-toi. La chair. C'est à toi. Tu dis à Géasi. Ici. Awa. Il n'y a qu'un seul boss. Et ça, là, mon condiment.
La Bible déclare, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a délivrés, nous a affranchis, nous a libérés de la loi du péché et de la mort. La Bible déclare, et le péché n'aura plus de pouvoir sur vous. Il nous a donné, par le sacrifice de la croix, le pouvoir de dominer sur le péché, sur la convoitise, sur la tentation, sur la chair. Regarde ton voisin, dit le voisin. J'espère que ça ressemble. Change de voisin, dit la même chose. Noyau qui est bien dit, et puis c'est avec conviction. Non, 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 il ne t'entend pas. Touche l'épaule. Il s'est dit, ne qu'on en aille. Moli mon agéazi, ma wadro. Moli mon agéazi, il y a qui est bico qui a. Oui, tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux acclamer le Seigneur. Et ce soir, je proclame et je déclare, l'esprit de Géasi ne régnera plus dans ta vie. Il ne contrôlera plus ta vie. Il ne te dominera plus. Non, 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 non. Tu ne marcheras pas selon les œuvres de la chair, mais tu marcheras selon les œuvres de l'esprit. Au nom de... Je me lève et je m'oppose contre toute forme de faiblesse, toute forme de lourdeur qui t'est gardé dans les choses, dans les œuvres de Géasi. Ces choses sont terminées au nom de Jésus. Remarquez ce qui se passe. Dans Luc 9, 23, Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il fasse quoi? Qu'il renonce à lui-même. Mais un peu plus loin, Jésus va dire à peu près la même chose, mais avec d'autres détails. Nous sommes dans Luc 14, 33. Jésus dit, ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qui possède ne peut être mon disciple. Bien aimé, vous avez remarqué comment est-ce que Luc 9, 23 vient avant Luc 14, 33. Ce n'est pas un hasard. Alors qu'au-dessus, on parle du renoncement à soi-même, un peu plus bas, on parle du renoncement à ses biens. Pourquoi? Parce que celui qui n'a pas renoncé à soi-même ne pourra jamais renoncer à ses biens. Autrement dit, ton attachement au bien est une révélation de ton attachement à toi-même. Ça, c'est l'œuvre de l'esprit de Géasi. Et l'esprit de Géasi développe en l'homme un tel égoïsme qu'il ne peut supporter la croix. Il ne le mera pas. Et c'est comme ça que Paul dit dans Philippiens 3, 18 à 19, car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Les ennemis, oui, l'esprit de Géasi, quand il entre quelque part, il fait de la personne, il fait de l'église, il fait de la communauté ennemi numéro 1 de la croix. Il dit, je vous en ai souvent parlé. Et j'en parle maintenant encore en pleurant. Est-ce que vous avez remarqué les prédications de Paul? Pasteur Christian, il est un théologien. D'ailleurs, tu as distingué en théologie. Est-ce que tu as vu quelque part Paul en train de prêcher, vous allez prospérer, vous allez tous vous marier, vous allez tous devenir riches? Lisez les enseignements de Jésus. Est-ce que vous avez entendu Jésus dire, vous serez élevé dans la société, vous allez occuper de grandes positions, de grands postes? Dites amen. Lors des béatitudes,
Jésus dit, oh, vous êtes heureux parce que vous allez monter très haut dans la société. Telle est l'œuvre que le Père m'a envoyé de ça. Non. Les enseignements de Jésus nous ramènent au Père. Les enseignements des apôtres nous ramènent au Père. Pourquoi? Parce que c'est là la clé. Il s'est Deutéronome. Deutéronome 28. Verset 8. 28. Si tu obéis à ma parole. Deutéronome 28, n'est-ce pas? Deutéronome 28. Si tu obéis à ma parole. Si. Il dit, voici les bénédictions qui t'accompagneront. Donc toi, ne sois pas focus sur des choses qui ne sont que des accompagnatrices. Non. Reste attaché aux choses qui déclenchent les accompagnements. Mais quand Géasi vient, il inverse. Il dit non. Les accompagnements. Et ce qui se passe, c'est que plus tu cherches les accompagnements, plus les accompagnements s'éloignent de toi. Parce que les accompagnements savent qu'ils n'accompagnent que celui qui s'attache et qui obéit. Dieu ne peut se renier. Dieu ne peut se renier lui-même. Il a dit, si vous êtes obéissants et si vous avez de la bonne volonté, vous mangerez les meilleures productions du pays. Les meilleures productions du pays. Peu importe le domaine, mais vous mangerez, vous en mangerez les meilleures. Il dit, si vous êtes docile et si vous avez de la bonne volonté, Dieu nous réoriente. Il dit, ne cherchez pas les meilleures productions du pays. Arrêtez de passer tout votre temps à ne prêcher, à ne parler, à n'enseigner que les meilleures productions du pays. Non, ça répond aux principes. Regardez, les principes de Dieu sont immuables. Dieu a établi le principe de la pesanteur. Tout corps que je lâche n'a qu'une seule direction, aller vers le bas, aller vers le centre de la terre. Pourquoi? La force gravitationnelle va l'attirer. Aussi longtemps que tu es quelque part sur la surface de la terre, la gravité va agir sur toi. Si tu sautes, tu finiras par atterrir. Pourquoi? Les lois de Dieu sont immuables. Frère, si je ne sème rien ici, je pourrais revenir même après 1000 ans, après avoir arrosé, même après avoir mis des engrais chimiques, des denrées, tout ce que je veux, rien de ce que je veux ne poussera. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi, la loi des moissons et des semailles et de la moisson. C'est une loi immuable. Et Dieu a établi. Il a dit, si tu es docile et si tu as de la bonne volonté, tu mangeras les meilleures productions. Frère, cet évangile social, c'est une grosse distraction. Vraiment, les chrétiens de cette génération sont des gros et des grands rêveurs. Tu vois quelqu'un qui est à l'université. Il ne veut pas étudier. Mais Azo parle en langue. Azo déclare ma commune. Je serai la tête et non la queue. Seigneur, tu as dit. Vous verrez de nouveau la différence. Frère,
devant ton papier d'examen, tu vas échouer avec onction. N'importe quoi. Oui, avec l'onction du Saint-Esprit. Ça sera un échec ou un. Avec l'approbation des anges et des archanges. Pourquoi? Parce que Dieu a établi les principes. Et tu vas voir un étudiant qui est dans l'occultisme. Mais qui, pendant que tu priais toute la nuit à la veille de l'examen, lui, il était devant ses notes, en train de lire et de relire, en train d'étudier, en train de faire des résumés. Il est dans l'occultisme. Peut-être même celui le sorcier de l'auditoire. Tant que dans la cour, quand vous suivez le cours, il insuffle un vent de sommeil sur vous. Yewana, mais il y a examen. Azali Boussaba note. Mon moment de l'examen, Yewana Zotanga. Ce sorcier-là, devant son papier, il va réussir avec brio à opélater. You, na onction na yo. Toi avec ton onction. Tu vas échouer lamentablement. Mais oui, frère, c'est ça les chrétiens d'aujourd'hui. Et ça, c'est l'esprit de Géasi qui a filtré ce genre de message. Nous voulons des choses spontanées. C'est-à-dire avec le peu d'efforts possibles. Nous voulons produire des plus grands résultats possibles. Frère, ça c'est des fables. C'est des fables. Ça, c'est des légendes. Ça, c'est des mythes. Et ça, ma ça n'existe pas. Ezalakate. Église du Seigneur. Église en Ankolo. Descendons de nos nuages de rêve. Nous les pentecôtistes. Nous ne voulons pas nous investir dans le travail. Dans le prix à payer. Maman Nathalie permet que j'en parle. Maman Nathalie permet que j'en parle. Il y avait dans une église quelque part. L'église à Moko et Sika Songolo. Une dame est venue voir Maman Nathalie. Maman Moko a qui kokuta na Maman Nathalie. Pour demander de l'aide. Pour nakosengeli sungi. Ah, Maman Nathalie s'est dit, moto oyo. Maman Nathalie a dit cette personne. Si je lui donne aujourd'hui, demain elle reviendra encore. Alors, elle a dit à la personne. Oui, aye bisi moto ango. Tala. Regarde. Ils ont un terrain Moko. Il y a des terrains. Il y a bilanga. Les gens sont vraiment disponibles. Et bon, Gisami, je pense à te donner un espace. Au sala bilanga. Et que tu fasses ton chant là-bas. Mon ananzamba, asiliki. La maman s'est fâchée. Oui. Je suis pas la maman, moi c'est une femme. Moi c'est asiliki. J'ai dit que c'était une femme. Moi c'est asiliki. Vous voyez un peu comment nous fonctionnons. Je suivais le pasteur, le docteur Atoms qui disait, surtout nous les chrétiens congolais, il disait, Tokansara, $100,000. Quel jour je sortirai, quelqu'un va m'offrir $100,000. Et à l'église, on prie comme ça. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, et quand on dit Seigneur, bénis-moi, il y en a beaucoup qui ont dit ça. Quand tu sortiras d'ici, mon frère, te verra dire, mon frère, $10,000 dans la poche. Quand je t'ai vu, tu n'as plus. Toi, tu en auras besoin. C'est ça notre conception de la bénédiction. Et c'est ce que l'esprit de Géasi. C'est dans ça que l'esprit de Géasi veut nous pousser. Vous voyez ça? Moindre fort. Et pourtant, quand Dieu parle de la bénédiction, il n'a pas le même entendement que nous, bien-aimés. Dieu ne te bénit pas en te donnant du pain. Non, Dieu te bénit en envoyant la pluie sur les semences que tu as mis en terre, sur ton champ. La Bible dit quoi? Je bénirai les œuvres de vos mains. Je bénirai vos entreprises. Donc, souvent, quand Dieu envoie la bénédiction, ce n'est pas que nous ne sommes pas bénis parce que nous sommes non, ce n'est pas que tu n'es pas béni. La bénédiction est déjà venue, mais la bénédiction fonctionne.
fonctionne comme la pluie. Elle vient pour arroser. La Bible déclare, j'exaucerai les cieux. Les cieux exauceront la terre. La terre exauceront les grains. Les grains exauceront les moux. Les blés. Et les moux et les blés exauceront Jisraël. C'est comme ça que Dieu opère. Quand Jisraël prie, Dieu n'envoie pas l'huile, le mou et le blé à Jisraël. Non. Dieu exauce les cieux et il envoie la pluie. Mais quand la pluie tombe, la pluie doit trouver une semence qui a été préalablement semée. Nous ne sèmons rien, mais nous voulons récolter. Frère, c'est des rêves. Et c'est comme ça que l'esprit de Géasi nous vend aujourd'hui des rêves. Plusieurs prédicateurs sont des vendeurs d'illusions. Et nous aimons qu'on nous bombarde avec des illusions. Aucun de les n'a vie, frère. Nous sommes nos bons à peine dans la vie. Nous sommes la porte des fonds. C'est vrai. Les portes vont s'ouvrir. Mais c'est des opportunités. Qu'est-ce que tu vas faire avec les opportunités que Dieu te donne? Vous voyez, même Élie. Dieu dit déjà à Élie. Jean, va dire à Akab que je vais faire pleuvoir. Dieu avait déjà parlé. Et même Élie lui-même, il dit à Akab, j'entends un bruit qui annonce la pluie. Mais quand Akab est parti, Élie, dans son office, dans son appel, dans son travail, il est allé travailler. Parce qu'on n'attend jamais la pluie en ayant les bras croisés. Ne me dis pas, pasteur Moussa les athées. Frère, nous devons arrêter ce discours-là. Écoutez, il y a combien d'entreprises ici à Kinshasa? Et aujourd'hui, la population de Kinshasa a dépassé les 10 millions d'habitants, n'est-ce pas? Les 12 millions, on est dans les 12 millions d'habitants. Il n'y a pas très longtemps, on était à 7 000, mais en arrière, on était à 7 millions. Où sont ces entreprises qui vont accueillir, je sais pas moi, 7 millions d'habitants? Ils vont arriver, gloire à Dieu, mais ils sont pas encore là. Alors en attendant, on fait quoi? On va attendre, on va prier, on va parler en langue, on va jeûner. Non, frère! Après avoir fait toutes ces choses, on se lève et on sort. Que ceux qui peuvent faire les champs aillent faire les champs. Que ceux qui, je sais pas moi, peuvent vendre aillent vendre. Mais fais quelque chose, mon ami. Fais que l'Église du Seigneur apprenons à travailler. Même toi, homme de Dieu, toi qui est dans le ministère, tu n'es pas épargné. Élie est allé travailler sur la montagne. C'était quoi son travail? Intercéder en faveur du peuple, prier. Et il est allé travailler. Il n'a pas attendu la pluie, il n'a pas attendu la bénédiction. J'ai tellement de promesses dans ma vie que j'attends. Il n'a pas attendu les promesses. Dans la passivité. Non. Remarquez. Les disciples que Jésus a choisis. Ils n'avaient pas choisi des paresseux. Tous les disciples de Jésus. Ils étaient des travailleurs. Il y en a qui étaient des pêcheurs. Il les a débauchés. Il n'a pas pris des chômeurs. Lévi, Matthieu était un collecteur d'impôts. Il les a débauchés. Même Élisée, celui dont nous sommes en train de parler, le père de Géasi. Comment est-ce qu'Élisée lui-même a été choisi? La Bible déclare, un jour alors qu'Élie passait, il a vu Élie. Élie était en train de travailler dans le champ. Il était en train de travailler. Il travaillait. Et Élie a pris son manteau. Il l'a jeté sur Élisée. Et Élisée a compris que c'était l'appel de son ministère. C'est là qu'il avait arrêté son travail. Et qu'il était là qu'il allait travailler. Regardez Gédéon. Où est-ce que Gédéon. Dieu a parlé à Gédéon? Gédéon ne paraissait pas. Gédéon était en train de moudre le blé. C'est là que Dieu se révèle. Mamebo Sita, Zacharie, le père de Jean le Baptiste. C'est où que Dieu s'est révélé à lui? Il était dans son office. Il était en train de travailler. Et c'est là que Dieu s'est révélé à lui. Mon frère, Dieu bénira les œuvres de tes mains. Ne me dis pas, pasteur Moussa les athées.
Mon frère, tu peux créer ton travail. Écoutez, écoutez. Tu crois que tu as l'onction. Tu crois que tu as la bénédiction. Tu crois que tu as Dieu. Mais pourquoi? Tu ne crois pas que c'est Dieu-là que tu as. Peut prendre un petit nuage qui a la forme de la paume d'une main et le transformer en une grande paume. La Bible dit, ne méprisez pas les faibles commencements. Nous ne voulons pas de faibles commencements. Pourquoi moi commencer à cirer les choses? Jeune élégant, frère, frère, tu mourras de faim avec ton élégance. Et puis, ange, les anges vont acclamer, applaudir ta faim. Pardonnez-moi, je suis sorti un peu de mon message. Mais c'est ça les illusions que nous vendent les messages sociaux. La Bible dit à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, le soleil ne se lèvera pas sur la table. Le matin ne viendra pas sur la table. Nous devons revenir à la parole. Revenir aux Écritures. Revenir à la sainte doctrine. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Ah. Donc, l'esprit de Géasi développe en l'homme un tel égoïsme que l'homme ne supporte plus la croix. Et cela me rappelle l'homme riche qui est venu voir Jésus dans Marc 10, 17 à 23. La Bible déclare: comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais le commandement: tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Il lui répondit: maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Voyez, son problème était ailleurs. Son problème n'était pas dans l'observance de la loi, mais son problème c'était qu'il était sous l'emprise, le contrôle de l'esprit de Géasi. Il faisait qu'il s'attache, que son cœur s'attache au matériel. Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. C'est ça, frère. Souvent il nous manque une chose. Quelle chose? Briser l'emprise de l'esprit de Géasi. L'esprit de Géasi détruit nos communautés comme vous n'avez aucune. Hier, demain je vais en parler dans un autre aspect. Vous allez voir comment est-ce que l'esprit de Géasi détruit les relations, détruit les églises. Il fait des désastres inimaginables. Jésus lui dit, voilà, il te manque. Maintenant il commence à lui dire comment il doit se défaire de l'esprit de Dieu. Il dit, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Oui, viens et suis-moi. La Bible dit au verset 22, mais affligé de cette parole. Nous n'aimons pas cet évangile. Cet évangile nous afflige. Cet évangile ne nous motive pas. Non, parce que cet évangile ne nous arrache pas des amen. Non. Parce que vous, quand vous prêchez votre prédication, nous rend triste. Comment ça? Mamanga ite. C'est pas moi. Quand Jésus a prêché le jeune homme. Quand Jésus, la Bible déclare. Affligé de cette parole.
cet homme s'en alla tout triste. Vous savez pourquoi? Parce que l'esprit de Géasi était tellement au contrôle qu'il ne pouvait pas le laisser se détacher de son amour pour les biens de ce monde. Car il avait de grands biens. Pasteur Ken, est-ce que Jésus est-il en train de nous enseigner que nous devons vendre tout ce que nous avons et dresser des pauvres? Non. Jésus est en train de nous dire, peu importe la taille des biens matériels que tu peux avoir, mais que Dieu reste ta priorité. Oui. Que Dieu reste ta priorité. Que tu sois prêt à sacrifier quand Dieu te dit de sacrifier. Que tu sois prêt à arrêter quand Dieu te dit d'arrêter. Que tu sois prêt de quitter quand Dieu te dit de quitter. Vous voyez? Parce que ce que le Seigneur recherche de nous, c'est une dépendance totale et complète à lui. Que rien ne puisse entraver la qualité de notre relation avec lui. Et quand une chose commence à faire obstruction dans ta communion avec lui, Dieu dit, donne-moi cette chose. Parce qu'il sait que c'est ce qui donne la force à l'esprit de Géasi d'opérer. C'est que le Seigneur attend de nous que nous puissions être prêts à tout faire, à tout donner. Il dit, si tu ne m'aimes pas plus que ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, tu n'es pas digne de moi. Le Seigneur veut que nous puissions élever notre attachement à lui au-dessus de toute autre chose. Que nous puissions lui donner cette place que l'on ne donne à personne d'autre. Que nous puissions faire pour lui ce genre de choses que nous ne faisons pour personne d'autre. Oui, c'est cette place-là que Dieu cherche. C'est là que Dieu nous attend. Et c'est là aussi que l'esprit de Géasi nous combat. Parce qu'il nous déconnecte de Dieu. Et il nous attache à autre chose. Qui au finish prenne la place de Dieu dans nos cœurs. Et c'est cela que la Bible appelle l'idolâtrie. L'esprit de Géasi est un esprit d'idolâtrie. Je bénis le Seigneur. Si tu veux savoir ce que Dieu est sur le point de faire dans ta vie, sois attentif au genre de message qu'il t'envoie. Alléluia. Amen. Je me réjouis parce que le Seigneur est en train de nous amener dans une autre dimension, dans des choses essentielles, notre communion avec lui. Bien-aimé, tous les restes nous les laisserons ici-bas, mais notre communion avec lui, c'est éternel et il nous amène à des choses éternelles. Vaincre l'esprit de Géasi. Que Dieu vous bénisse, nous allons continuer. Nous sommes debout dans la présence de Dieu. Brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche. Brise la force du moi qui combat mon âme et brise.
Oui. Chante-le comme une prière. Brise la force de moi. Chante-le comme une prière. Qui combat mon âme. En fait, pendant que tu chantes, tu es en train de dire à Dieu, brise l'esprit de Géasi qui t'empêche de prendre le contrôle de mon cœur. Brise la force de moi. Qui combat mon âme et t'empêche de briser. Brise, brise, brise. Chante-le comme une prière. Comme une prière. Brise la force de moi. Qui combat mon âme et t'empêche de briser. Oh, l'ennemi de mon âme, c'est moi-même. Brise, brise. Je veux te ressembler, mais brise-moi.